doigts jetés, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa un petit peu original. Original dans la technique. Vous allez voir, la technique est peu commune. Mais on est là pour ça aussi. Hein, pas toujours faire dans la facilité. Alors, à la base, j'avais fait ça avec de la marama. Ça avait un certain rendu, mais qui, à mon sens, n'était pas assez fin. Et j'ai voulu vraiment essayer ça avec la papyrus, parce que c'est un fil que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coloris. Le coloris, c'est le coloris rouille numéro 27. Il y a d'autres coloris que vous trouverez donc sur la boutique Laine du Monde, comme le vert pois numéro 28, qui est magnifique aussi. Il vous faudra donc aussi une petite étiquette, un fermoir aimanté, et puis voilà. Alors, pour ma part, je vais crocheter avec, parce que je crochète lâche, un crochet en 3,75. Néanmoins, je vous préconise de crocheter, on va crocheter très très lâche, et vous allez voir pourquoi. Je vous préconise d'utiliser un crochet en numéro 4, voire 4,5. Allez, c'est parti. Alors, on va faire deux cercles exactement identiques. On commence donc par faire un cercle magique. J'insiste sur le fait que vous allez vous prendre la tête si vous ne crochetez pas de façon lâche. Si vous ne crochetez pas d'habitude de façon lâche, augmentez vraiment d'un demi-point votre crochet. D'accord ? C'est parti. On commence par faire 6 mailles serrées qui n'auront rien de serré mais de lâche à l'intérieur du cercle. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Alors vous me direz au bout d'un moment, pourquoi ne pas avoir utilisé la technique normale? Parce qu'on n'est pas là pour faire que des choses normales et puis que c'est un petit peu plus original. Ici, quand vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez tirer sur le fil, vous allez venir dans la première maille ici. Vous passez votre crochet dans la maille, mais à l'envers, comme ceci. Vous venez mettre votre maille sur le crochet. On tire sur le fil, on récupère le fil, comme ceci. On tire. Vous avez une boucle et vous passez votre ouvrage à l'intérieur de la boucle, y compris le fil du cercle magique qu'on rentrera, mais pas sur ce rang-là, parce qu'on a besoin que ce soit souple. Vous allez venir tirer sur le fil de la pelote. Voilà, vous fermez ainsi votre cercle. On va venir travailler uniquement dans les V. Normalement, on travaille ici dans les mailles. Eh bien, les V sont toujours entre les deux mailles. Une maille, deux mailles, le V se cache toujours ici. Une maille, deux mailles, le V se cache ici. Vous allez donc venir piquer dans le V. Alors, au départ, ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez vous y faire. Alors, je ne veux pas faire de bêtises. Voilà. Je récupère ma maille, une maille en l'air. Et là, je vais faire dans chaque V des augmentations. Donc, j'avais 6 mailles au départ. Si je fais des augmentations dans chaque V, j'aurai 12 mailles à la fin de mon rang. Voilà ma première augmentation. Je viens dans le V suivant, qui est ici. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Il est donc ici. Et ici, je fais donc une augmentation. Je fais ça sur la totalité du rang et j'aurai donc 12 mailles. Je vous rejoins quand j'ai les 12 mailles.
Alors, pourquoi on utilise cette technique? Parce que ça rigidifie plus le cercle que si on le travaillait normalement et que pour cet ouvrage, on a besoin que ce soit plus rigide. Et c'est une nouvelle technique, c'est toujours intéressant à apprendre. Donc, dernière maille, on la tire un peu, on vient dans la première, ici. C'est toujours la plus embêtante à attraper, voilà. On vient mettre notre maille donc par-dessus, on tire, on la passe à travers, hop. Une fois que c'est passé à travers, on remonte encore une fois la maille en tirant sur le fil et on vient passer le cercle à travers la boucle. Voilà, j'ai effectivement rentré le fil. Voilà, donc là, le cercle est bloqué. Nous avons nos deux premiers V, donc ici un et ici un second. Donc on va venir dans le premier qui se trouve juste ici. Voilà. On vient récupérer notre fil. Une maille en l'air et on fait une maille serrée dans ce premier V. On a fait des augmentations, donc on a fait des lots de 2 V, de deux V chaque fois. Hein. Donc, une première maille serrée et dans le deuxième V qu'on voit qui se trouve juste ici, on vient faire une augmentation. On répète ça sur la totalité du rang. Premier V, maille serrée. Et dans le deuxième V qui est juste à côté, on vient faire une augmentation. On répète ça donc jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons donc 18 mailles. Je vous rejoins quand nous avons les 18 mailles. Nous voici donc à présent avec les 18 mailles. On vient tirer. Dans la première ici, on récupère notre fil. Hop, vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. Hein. C'est au départ que c'est un peu compliqué, mais après c'est facile. On passe notre cercle à l'intérieur. On tire sur le fil de la pelote. On bloque. Et là maintenant, nous allons travailler de la façon suivante. On va venir donc dans le premier V qui est ici. On récupère le fil, une maille en l'air et on fait notre première maille serrée. Donc là, nous allons faire la séquence suivante. Deux mailles serrées, donc dans le premier V, on fait une maille serrée. Dans le deuxième V, on fait une maille serrée. Dans le troisième V, on fait une augmentation. Ça, nous allons le répéter jusqu'à la fin du rang. Deux mailles serrées, une augmentation et on les fait uniquement dans les V, bien évidemment. Hein. Donc, deux mailles serrées, on vient donc ici, on le voit, il est ici le V. Donc, une première maille serrée, une deuxième maille serrée, suivi d'une augmentation. On se rejoint en fin de rang avec 24 mailles. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang toujours pareil en tirant un petit peu, en venant prendre donc la maille par l'arrière, ici. On tire et on vient passer notre cercle, c'est le quart d'heure foufou de Maurice, dans la maille. Voilà, allez, on va venir donc maintenant dans le V, ici, on le voit, il est juste là, une maille en l'air et on va faire trois mailles serrées dans les V, toujours. Donc une, 2
3 et une augmentation dans le dernier V. C'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation et ce, toujours dans les V. Fin de rang, nous aurons 30 mailles. À de suite. Voici donc nos 30 mailles de fait, on tire, on vient dans la première, on tire, on monte la maille, on passe à travers notre cercle et on ferme notre cercle. Et là maintenant on va faire notre dernier rang, une maille en l'air, et la séquence sur ce rang sera la suivante. Dans le premier V, vous faites une maille serrée. Dans le second V, vous faites une maille serrée. Dans le troisième V, vous faites une augmentation. Et dans les deux V suivants, vous faites des mailles serrées. D'accord? Ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Coucou toi. Donc on fait 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec donc Maurice et nos 36 mailles. À de suite. On termine donc notre rang comme sur les rangs précédents. Voilà. Sauf que là, on va pas couper notre fil parce que tout simplement, on va venir démarrer d'ici. D'accord? Donc on passe pas le fil, ça sert absolument à rien. On va démarrer ici. Il nous faut simplement le second cercle avec aussi nos 36 mailles et nous allons venir faire donc, on va venir piquer. Faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Dans le même sens, donc vous voyez, il y a un sens, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. On va donc venir ici sur l'endroit. On va venir à la finalité, je ne le vois plus, je pense que c'est par là, hop. Oui on va dire que c'est par là, on va venir donc ici, alors là on ne regarde plus les V, hein. On ne s'embête plus avec les V et nous allons venir faire une maille coulée, voilà. On fait une maille coulée. Là maintenant, on va venir faire donc dans la première maille, nous avons 6 mailles. Dans la première maille, on fait une maille coulée. Dans les 4 suivantes, on fait des mailles serrées, donc 1 2 4 et dans la dernière ici on fait une maille coulée, voilà, donc on a nos 6 et là vous allez venir dans la maille d'en haut ici et vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous tournez le travail et maintenant ce que nous allons faire, vous allez le répéter de rang en rang. Donc, on fait bien attention de bien être dans le bon sens. Alors, je vérifie. Voilà, le bon côté. Ça, c'est le mauvais côté. Hein. Qu'on se trompe pas, autrement, on va être embêté. On commence donc par une maille coulée. Brin arrière. 4 mailles serrées. Brin arrière, 1, 2, 3, 4
Et la dernière, c'est une maille coulée. En brin arrière, hein, toujours pareil, on est toujours en brin arrière, d'accord? Donc là, vous venez dans la maille en haut, là, qui suit, et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, ce n'est que des répétitions. On commence donc par une maille coulée brin arrière, suivie de 4 mailles serrées brin arrière. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, c'est une maille coulée en brin arrière. On vient dans la maille plus haut, ici, et on fait une maille coulée. Et on recommence. Une maille en l'air, on tourne le travail. Maille coulée, brin arrière. 4 mailles serrées, brin arrière. 1, 2, 3, 4. Maille coulée en brin arrière. On vient dans la maille qui est plus haut. Voilà, ici. Maille coulée. Maille en l'air et on va répéter ça jusqu'à ce que nous arrivions à peu près. On va faire quelque chose un peu cohérent, on verra, hein. Peut-être qu'on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici la huitième qui ne sera pas travaillée. C'est tout simplement la copie d'un sac qu'on fait généralement l'été en corde. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez le sac en question. C'est inspiré de ce sac tout au moins. Donc on reprend. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On s'arrête ici. Celles-là, celles qui sont avec les marqueurs, on les travaillera pas. Donc là, pour l'instant, mais écoutez, vous continuez à faire exactement les mêmes choses. Maille coulée, brin arrière, 4 mailles serrées, brin arrière, maille coulée, brin arrière, plus haut, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait la totalité. D'accord? Allez, je vous rejoins, mais écoutez, quand on arrive au niveau des marqueurs. Donc voilà, une fois que nous arrivons au marqueur des deux côtés, on va venir se positionner en plein milieu. Donc on va venir passer 4, on retire les marqueurs, hop et hop, voilà, et on va venir faire 4 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, alors je vérifie. Allez, une quatrième maille coulée jusqu'ici. Voilà. Une fois que nous sommes ici, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous savez, c'est toujours au hasard avec moi. Il n'y a pas de base. Je vois quelque chose qui me plaît, mais après, je réinvente à ma façon. 5, allez, on en fait une 6e et une 7e pour tourner. Et nous allons venir donc faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et voici la 6e. Voilà, nous allons venir ici
dans la maille d'après, faire une maille coulée pour que ce soit cohérent, voilà, que ce soit bien accroché. On vient donc dans la maille d'après, ici on fait une maille coulée, on tourne le travail. Puis là on va faire exactement ce qu'on a fait en fait sur les autres, et qu'on va venir partir à faire de la maille serrée mais en brin arrière. Donc on va venir chercher nos... Alors on va faire uniquement, il y avait 6, d'accord, donc on va en faire 4 mailles serrées. Donc une, deux, trois, quatre, allez, on peut en faire encore une supplémentaire et une cinquième. Voilà, 5 mailles serrées. Normal. Dans la sixième, ici, on va en faire 2. On va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées en brin arrière. Une, 2. On va venir de l'autre côté et on vient faire exactement la même chose. 2 mailles serrées en brin arrière. Une et 2. Et on repart avec nos 5 mailles serrées en brin arrière, puisque nous sommes symétriques. 4. Et ici, on fait notre cinquième. Voilà. Allez. On vient dans celle d'après. On fait donc une maille coulée. On tourne le travail et là on va donc faire 6 mailles serrées en brin arrière. Donc une, 2, 5 et 6. Ici dans la septième, on en fait 2. Une et 2. Dans celle d'après, pareil, on en fait 2, une et 2. Et on refait donc 6 mailles serrées en brin arrière. Donc une et la sixième. Et on vient dans celle d'après, on refait une maille coulée, on tourne le travail. Donc on va venir faire 7 mailles serrées en brin arrière, donc 1, 2, 6, 7. Ici dans la huitième, on fait une augmentation, donc on en fait 2. Dans celle d'après, on en fait 2 aussi, 1 et 2. Et après, on fait que des mailles serrées brin arrière. 1, 2 et la septième. Allez, une maille coulée dans celle d'après. Ici, on vérifie bien qu'il nous reste bien pareil, que ce soit bien symétrique. Ok, c'est bon, on tourne le travail. Là maintenant, on va faire 8 mailles serrées brin arrière. Donc une première, une, 2 et 8. Sur la 9e, on fait une augmentation ici. Donc on en fait 2, 1 et 2. Celle d'après, on en fait 2 aussi. 1 et 2. Et normalement, on devrait pouvoir en faire 8 en redescendant en brin arrière. 1, 7 et ici la 8e. Et une maille coulée dans celle d'après, ici, on tourne. Donc là, on devrait pouvoir faire 9 mailles serrées en brin arrière. Donc, 1, 2, 8, 9. Dans la 10e, on en fait 2.
une et deux. Dans celle d'après, on en fait deux. Une, deux et neuf en redescendant. Une, deux, huit et voici la neuvième. Voilà. Et là, on va venir donc dans la dernière ici. Faire notre maille coulée et on a terminé. Alors on vérifie, on tire un petit peu, on vérifie voir si ça se ferme bien. Bon, mais écoutez, impeccable. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, il ne manque plus qu'à venir faire les finitions et notre petit porte-monnaie, porte ce que vous voulez en fait, est terminé. C'est toujours pratique. Les mini pochettes sont toujours pratiques. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un nœud, on coupe le fil. Quand c'est rentré, je suis à vous. Alors, je voulais rentrer le fil, mais c'est pas très malin. Parce qu'en fin de compte, on va en avoir besoin pour mettre l'étiquette. Donc, je vais venir le remonter un maximum. Alors, pour mettre le fermoir, vous allez prendre votre étiquette comme ceci. Vous allez mettre donc un petit peu plus que la moitié là. Et vous allez venir mettre votre fermoir. Il faut tout percer. Hein. S'il faut que vous utilisiez la pointe d'un ciseau ou quoi pour passer à travers. On met le fermoir comme ceci à l'intérieur. Ici. Alors attention de bien mettre au bord là. Hein. Par contre, voilà, parce que quand vous allez le retourner, ça il faut que ce soit joli de l'autre côté. Ok. Donc là, vous positionnez comme ça. Vous mettez votre petit truc en fer là. On va récupérer notre fil et on va venir le coudre. Je suis grossièrement. Hop. Voilà. Ici. Donc vous cousez votre étiquette des deux côtés. Voilà, vous venez coudre maintenant donc votre étiquette vous faites le nœud, vous rentrez le fil. Votre étiquette et votre fermoir étant positionnés, il vous manque plus qu'à venir positionner donc le fermoir du côté mâle. On va le mettre en plein milieu. Voilà, je vous laisse faire. Je rejoins quand j'ai terminé. Voici donc notre mâle de positionner. Et il nous suffit plus qu'à fermer. Et bien voilà, vous pouvez vous en servir donc de petits porte-monnaies, de petites pochettes pour entrer, pour ranger donc vos marqueurs, pour ranger un petit peu ce que vous voulez. C'est joli, c'est esthétique, vous pouvez même le faire cadeau.
C'est tout léger. Il n'y a que le poids. On sent en fait que le poids du fermoir aimanté. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, vous savez, un bouton pression en plastique. Si vous avez peur que ce soit trop lourd, mais vraiment c'est pas le cas, hein, c'est pas lourd du tout. Nous voici donc avec un joli cadeau à faire ou bien à se faire. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.